les projets de développement d'oléoducs, de transport de pétrole par train, par voie maritime, des projets effrénés, il faut ralentir, il faut mettre fin à ce genre de philosophie de développement de nos ressources énergétiques. Il faut avoir une stratégie concrète de conversion des combustibles fossiles vers des énergies renouvelables, des énergies propres. Il faut être proactif et avoir une stratégie d'électrification de nos transports, d'être capable d'être audacieux dans les politiques qu'on met de l'avant et de contribuer sur la scène internationale à faire en sorte que la planète, que notre environnement soit respecté. L'attitude canadienne des dernières années, le retrait de Kyoto, ont causé un grand tort à la fois à la crédibilité canadienne, mais également à notre planète. Donc, il est temps de se prendre en main et d'avoir une stratégie réelle et concrète pour aider l'environnement.